Les amis, on se retrouve sur la map Volcano de nuit. Et là, cette nuit, j'ai envie de me faire un petit bain de minuit, mais pas comme les autres. J'ai pris un parachute et on va sauter, les amis, vers l'infini et l'au-delà. Le but est de pas mourir, bien entendu. Et visiter surtout cet endroit qui m'a l'air incroyable sans se faire becter. Oh, bah, le parachute, bah, t'es censé m'arrêter un peu là. Voilà. Oh non, mais. Oh, bah super. Bah, je pensais que j'allais au moins m'orienter un petit peu. Oh la vache. Ok, bon, bah écoutez, ouais, alors je voulais pas visiter ça comme ça, c'était pas le but. Ah, c'est quoi ça, des dimorphodons? Non, non, pas des dimorphodons, non, 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 attendez, j'ai pas visité. Aïe, 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 aïe. Ah, il met tout le temps. Yo les amis, c'est Patch Curtis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 5 de Jurassic Arc. Et aujourd'hui les amis, on va aller se faire les clôtures de Jurassic Park. Alors clôture, qui dit clôture dit un peu de farming. Et qui dit farming dit Argentavis. J'ai déjà récupéré 2-3 trucs avec Petri, comme par exemple bah, tout ce qui est perles de silice, ciment, tout ce qui est un petit peu léger. Je me suis servi aussi des taurosaures pour aller chercher le métal et l'obsidienne, parce que l'avantage, c'est que le métal et l'obsidienne, il y en a partout. C'est un gros avantage. Les cristaux, il y en a plein les bordures là-bas sur les falaises, donc c'est tranquille. Mais bon, quand même, un argent, honnêtement, ça pourrait pas faire de mal. Donc on va aller stammer ça en début d'épisode et ensuite on va se construire les construction de Jurassic Park, donc c'est-à-dire les petites clôtures. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai déjà crafté le petit... il est où? Le petit Smithy. Il est là, le petit Smithy. Hop, et le petit bureau, on va se le mettre ici. Donc, je suis déjà en train de faire fondre du métal pour faire des lingots, parce qu'il y en faut beaucoup. Moi, je vous propose qu'on se mette ça là. Hop là, voilà, le petit bureau. Alors, du coup... Là, il nous faut du cristaux, des câbles électriques. J'en ai déjà fait un petit peu avec les lingots. Il nous faut des lingots, de l'obsidienne, de l'électronique. Ça, les perles de silice, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, il va nous falloir quand même un argent de manière à ce qu'on soit mobile. Parce que pour aller farmer au niveau des falaises, le cristaux, c'est pas simple. Heureusement que j'ai la petite grotte qui est juste en face de la cascade et qui m'aide bien à farmer. Regardez, du métal, j'en ai même devant la porte. Oui, impeccable. Voilà. Donc j'ai préparé un piège les amis, ah bah oui je prépare mes épisodes quand même. Donc on va tout mettre là-dedans, ah le lingot de métal qui fond, ça c'est cool. Tac, on va y mettre aussi les plafonds, on va se faire un piège argent à vis hein, comme on a l'habitude de faire. Allez let's go. Alors où est-ce qu'on va se le placer le piège? Les argent ils sont là-haut, donc je propose qu'on se mette un petit piège ici tranquillou. On va se le faire là, hop, et on va tirer l'argent ici, c'est parti. Alors les plafonds pas tout de suite. On va prendre les fondations dans un premier temps. On va se mettre les fondations ici. Alors on va se le faire en deux de large. Tac. Voilà. Non. Allez. Hop là. Hop là. Et on va se faire ouais on va se faire ça. Là la longueur ça me paraît bon. Ok. Ensuite on va se mettre la porte dino. On va se prendre ça avec aussi si je peux les porter. Ouais, c'est bon. Ok, la porte dino, on va se la mettre ici. Voilà. Ok, impeccable. On peut ranger la deuxième. J'en ai pas besoin de deux. On va se prendre la porte. Voilà. Tac. Ok, on peut ranger la porte. Maintenant, on va y mettre les cadres de porte. Et ensuite, les plafonds. Alors, hop, ce qui est bien, c'est que c'est un piège pour Argent, mais ça va nous servir à d'autres dinos, hein, même par exemple, et des petits raptors, des choses comme ça, ça peut être très pratique aussi. Hop, voilà, impeccable, impeccable, j'aime bien construire des pièges, je sais pas pour vous. Ok, c'est good, pour les cadres de porte, mais je crois que j'avais pris pile ce qu'il fallait, oh là là, trop bien. Ok, on va se mettre maintenant les petits plafonds, donc ce qui n'est pas utile pour tout ce qui est raptor ou animaux terrestres, mais pour ceux qui volent, quand ils sont en torpeur, hop, allez, c'est parti, on place les petits plafonds, impeccable, voilà, voilà, ok, tout va bien se passer les amis, pour une fois. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les tosaurus de ce côté-là, hop. Voilà, et on va les mettre en passif. Parce
On sait jamais. J'ai pas envie qu'il se mêle à l'embrouille. Voilà, allez, tout le monde en passif. Voilà, maintenant on va aller chercher notre fusil à canon long, on va aller chercher notre Ptera et on va partir à la recherche d'un bel argent. Youhou, c'est parti vers de nouvelles aventures. Go trouver l'argent Avis, les amis. Alors, j'en ai vu un normalement qui serait dans ses alentours. Donc, on va essayer de pas se faire bouffer, bien entendu. Et on va se trouver cette petite bête à plumes. Voyons voir. Je nous ai trouvé un petit coin un petit peu safe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du T-Rex 45. Ici, le nid de castor, ça a l'air plutôt calme. Ou alors, je suis un peu haut. Allez, je suis peut-être un petit peu haut, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh, on a de l'araignée. Bon, bah, écoutez, jusqu'ici, ça a l'air correct, hein. Attendez, on va descendre un petit peu pour voir ça de plus près. Alors, le T-Rex, va falloir l'éviter. Ça, c'est sûr. Oh, la vache. Oh, la grosse bébête. Deinosuchus. Il est incroyable. Avec un Ostroraptor 145. Ah, bah, il va le bouffer. Ah, bon. Eh ben, attendez, l'Ostroraptor 145. Qu'est-ce que j'essaye de faire, là? J'essaye vraiment de le grab. Non, sérieusement. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Un crocantosaure. Oh là là, ça c'est dangereux. Ça c'est très 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 dangereux. On va s'occuper de trouver un argent, les amis. Hein, puis on va se barrer au plus vite. 135. Eh ben, ça me paraît pas mal, ça, 135. Écoutez, si on trouve pas mieux, on va prendre celui-là. C'est quoi? C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Ok, pas d'autres petites bêtes à plumes dans le coin. Bah écoutez, non. Bah écoutez, je crois qu'on va... On va attirer ce petit... Attendez, je fais quand même un petit tour pour être bien sûr. Généralement, les argents ne sont jamais seuls. Ah, je crois qu'il y en a un là. Non, ça... Ça vole pas. Oh, par contre, je vois un T-Rex 145. Les amis, ça c'est pas mal. Mais honnêtement, j'ai pas envie de tamer du T-Rex classique. Je veux du T-Rex de Jurassic Park. Et bien entendu, il y a un mod justement sur le serveur, voilà, où il y a du T-Rex de Jurassic Park. Donc, bah voilà, on va se tamer. Oh non. Il a plus d'énergie. Pas les allosaures. Recharge vite. Ok, c'est bon, tu recharges. Donc je disais, ouais, je préfère tamer un T-Rex de Jurassic Park, bien entendu, les amis. En plus, ils ont un cri super stylé. Donc voilà, on partira là-dessus pour le timing de T-Rex. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé d'autres argent dans le coin, donc on va attirer celui-là, en espérant qu'il nous dégomme pas. Voilà, allez, viens mon petit, on rentre à la maison. On va te faire découvrir ton nouvel environnement. J'espère que ça va te plaire. Ok, on garde l'agro tranquillement. Allez, viens mon petit. Prêt pour le plongeon. Let's go. Allez, come on. Je suis là. Viens me manger. Alors moi, j'espère que je vais pas manquer d'énergie. Quoique si je tombe dans l'eau. Le piège est juste en face. L'argent nous suit toujours. On reste à petite vitesse. Pour qu'il ait toujours envie de nous becter. Allez, continue à attaquer. Alors, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Il va falloir qu'il lâche Petri et qu'il me poursuive moi. Et c'est là que je sens qu'on va rigoler. Alors non. Non, il faut que tu reviennes encore un peu. Par ici. Voilà. Viens par là. Faudrait que tu te poses dans le coin. Allez, go. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser Petri ici. Et je vais servir de cobaye directement, ça va être plus simple. Ne t'envole pas. Reviens, petit aigle. Je suis là. Oui, allez, viens. Let's go. Parfait. Par ici. Perfect. Non, pas perfect. Ah, ouf. Ok, ça c'est good. Plus qu'à fermer la porte. Vite. Voilà. Et là, on est bon, les amis. Bon là, écoutez, on va lui envoyer une petite séance d'acupuncture des familles et puis ça va être tranquillou, hein. Donc là, j'ai actuellement un argent de Tavis qui me montre qu'il est très agile, hein. Il fait des 360 noscopes. Ok. Là, il me montre un peu que c'est un petit génie, quoi. Hein. Ok, bah écoutez, on va continuer à l'acupuncturer et puis voilà, hein. Il va faire un dodo comme tout le monde. Oui, tu fais des 360. Ah ouais, toi, t'es vraiment... Oh, ah ouais, c'est incroyable. On va l'appeler 360, celui-là, hein.
Ok, 360. Bon, bah, en tout cas, il prend ses petites flèches de torpeur malgré ses petits 360. Hein. Ça y est, il a décidé de se calmer un petit peu, c'est bien. Je vois que le produit commence à faire effet. Écoutez, je vois que sa torpeur en plus monte très vite. Il va pas tarder à partir. Allez, encore une ou deux, et à mon avis, il va commencer à clignoter des yeux là. Oh là, toi, t'es parti pour un dodo là. Allez, hop. Allez, allez. Voilà, impeccable. Voilà, allez, encore une petite peut-être. Allez, encore deux, même je pense trois. Ok, voilà, on est bon. Là, on peut se mettre dans le piège, hein. On sait qu'il va plus nous attaquer maintenant qu'il est en torpeur. Ok, allez. Allez, mon petit, hein, tu vas faire un petit dodo. Tu vas faire le petit dodo qui va bien. Voilà, encore une petite, peut-être deux. Une, ouais. Allez, une petite dernière et ça devrait être bon. Voilà. Ah, je crois qu'il l'a pas prise, celle-là. Voilà. Mais qui c'est qui veut un gros doudou? Mais c'est bien, ça. Continue à dormir. Allez, on va te mettre ça. Et puis, on va aller te trouver un petit mouton. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de mouton, ça y est, j'ai mis le grill industriel. Donc, maintenant, on peut massacrer toute une armée de moutons. Et puis les faire cuire au grill, comme il y a énormément de dinosaures carnivores ici qui se tament aux moutons, il va falloir prévoir le stock. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Chaque fois je claque des dents quand je monte cet escalier. Voilà le petit grill, donc tout est préparé, mais il n'y a rien dedans. Hein. J'ai fait un petit peu de bricolage en votre absence. Hein. Je fais des trucs un peu chiants hors vidéo, quoi. Et voilà notre petit moutmout. Ah, ok, impeccable. 207 de torpeur, je crois que je vais le coucher, ça va m'éviter de courir partout. Voilà. Ah, encore une. Allez. Eh ben voilà. Ça va plus vite. Oh, puis au moins il souffre pas, quoi. Alors, allez, c'est parti, hein. On ferme les yeux, on n'a rien vu. Allez, plus qu'à ramener ça à notre petite Argent qui va être content de la viande de mouton. C'est cadeau. Et puis voilà, à l'occasion, il faudra qu'on se fasse un élevage de moutons carrément, hein, parce que les tuer à chaque fois, c'est bien, mais il va falloir vraiment qu'on se fasse de la repro à moutons. Et d'ailleurs, avec le mod, les amis, il y a même les biquettes qu'on trouve dans Jurassic Park. Vous savez, ceux qui servent à nourrir le T-Rex. Et on les a. Oui, oui, oui. On les a. Allez, c'est parti. On envoie tout ça. Bon appétit, mon petit. Oh, on va vraiment l'appeler 360, celui-là, hein. Alors, on en est où? Oh, c'est bien, on en est déjà à plus de la moitié. C'est bien, on l'a laissé s'affamer un petit peu. Impeccable. Bah, écoutez, on va attendre la fin du timing. Alors, on va la jouer stratégique avec ce petit bureau. On va se le mettre ailleurs parce que là, il va falloir déplacer beaucoup de choses. Et j'ai pas envie de faire les allers-retours à pied. Ça va être un petit peu chiant, même si c'est pas loin. On va se le mettre... franchement, il faudrait carrément qu'il aille ici, quoi. Ou même là, où est-ce que j'ai le plus de lingots? Ah bah écoutez, on va le mettre ici, hein. Je pense que ici ça sera pas mal. Et puis on lui fera une pièce spéciale la prochaine fois. Parce que là, il y a quand même énormément de choses, les amis. Regardez ce qu'il faut déjà pour des fences. Il faut de l'obsidienne, du câble électrique, tout ça, tout ça. Alors le câble électrique, normalement, j'en ai encore là-dedans. De l'électronique, j'en ai plus. Alors, on va allumer ça. Déjà, on va faire... Oh. Ça, c'est bien, on peut en faire quand même pas mal. On peut en faire 184. Donc là, on va être bien au niveau des lingots de métal. On va voir ce qu'on peut porter. Ah, il faudrait qu'ils soient encore plus près. Ouais, bah écoutez, on va faire comme ça. Je vais vous faire un petit cut et je vais tout mettre là-dedans. Bon, bah écoutez, j'ai rassemblé tout ce que j'avais en lingots de métal. Ça devrait être pas mal, mais il va falloir que j'aille en farmer encore un petit peu. En tout cas, là, il y a tout qui font. On a de quoi se faire quand même une grosse porte et tout, et quelques clôtures, mais il va nous en falloir encore un peu plus. Bonjour, mon petit. Alors, toi, changer son nom. On va t'appeler 360. Ah, bah non, mais 360, je vais croire que c'est son level. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, oui, il s'appelle 360. Ouais, bon, bah, c'est tout. On aurait pu l'appeler Looping aussi. Bon, bah, choisissez dans les commentaires, les amis, comment vous voulez qu'il s'appelle. Donnez-lui un nom. En attendant, je l'appelle 360. Mais on pourra lui changer de nom, il n'y a pas de problème. On va regarder ses stats. J'ai peur qu'en poids, ouais, 34, 47 d'énergie, ça c'est plutôt pas mal. Et bah, c'est bien, en bouffe et en oxygène, il n'a pas grand chose. Donc on est bien, 36 dans le poids, 34 dans l'attaque, 47 énergie et 36 vie. Il n'est pas si mal, il n'est pas si mal ce petit bestiau.
Il est même plutôt pas mal pour un 135, hein. Je vous rappelle que c'est pas un 150. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Moi, ce que je vais faire, les amis, là, c'est qu'il me faut encore un petit peu de métal. Bon, j'en ai partout, ça c'est l'avantage. J'en ai même récupéré dans la première petite maison. Je vais aller dans la cascade, je vais ramasser tout le métal qu'on a à ramasser ici. Oui, parce que oui, regardez. Ah bah c'est la caverne d'Ali Baba ici, hein, je vous le dis. Et puis voilà, une fois que j'ai tout ramassé et tout fondu, on se retrouve à l'intérieur pour les clôtures. Et puis voilà, je vous passe le calvaire là, parce que là j'en ai au moins pour une heure. Alors les amis, le temps que les lingots fondent, je me suis dit qu'on pourrait aller rechercher de la perle de silice en plus. Par contre, c'est pas une zone safe. Enfin, en même temps, c'est pas comme s'il y avait des zones safe sur The Volcano. Encore moins avec les mods qu'on a rajoutés. Mais voilà, on va essayer de retrouver un petit peu de perles de silice. Écoutez, j'en vois ici. Par contre, je sais pas si... Aïe, 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 aïe. Moi, je sens que ça va pas le faire du tout, hein, cette histoire de perles de silice. Vu ce qu'il y a dans l'eau... ça, c'est gentil ou pas, ça? Oh, il a l'air d'avoir rien de gentil ici, là. Oh, mais comment on fait? Oh, lolo. Attendez, est-ce que c'est méchant, ça? Ah oui, c'est méchant. Oh non. Revolte-toi. Oh, lolo. Ah, j'ai oublié de remettre les hitmarkers aussi. Tiens, j'y pense, là. Ok, alors, je vais voir si je peux lui faire mal ou s'il me fait mal. Eh ouais, du coup, on voit pas les dégâts, là. Faut absolument que je le rajoute. J'ai complètement oublié. Ok. Je pense que je peux lui faire mal. Ouais, après, ouais. Oh la vache, il y a du monde à détruire, là. Argentavis. Ah ouais, ok, le croco, c'est bon. Ok, il nous reste celui-là. Et si on tue celui-là, normalement, on devrait être bien. Enfin, je crois. Ah, peut-être. Ah, si on le tue. Il s'envole ou quoi? Il est parti. Ok. Ok, il a pris la fuite. Ah non. Ah, je l'ai eu. Oh la vache. Mange-le. Voilà, très bien. Eh, hey, écoutez, j'ai l'impression que... Est-ce que ça nous attaque, ça? Ouais, ça attaque pas les argentes, mais moi, ça m'attaque. Non. Ok, petite argente. Ok. On va se faire quelque chose qui est un petit peu dangereux, on va pas se mentir. Donc toi, tu vas rester ici en passif. Moi, je vais aller dans l'eau chercher ces perles de silice. Vous le sentez pas, hein? Moi non plus. Allez, c'est parti! Aïe, 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 j'espère que c'est pas des piranhas, ça. Ok, de la perle de silice. Oh, ça m'attaque? Ah oui, ça m'attaque. Oh, ça m'attaque. J'en ai récupéré 120. Ça, c'est une bonne chose. Il s'agirait de les ramener... Satané bestiole, hein. Viens là. Viens là, petit poisson. Viens là. Voilà. Ah, ça fait moins les malins, là. Hein. Vous pensez que je peux en récupérer un petit peu? C'est bien que je puisse en récupérer encore un peu, quoi. Allez, mange-le. Ah, oh. Viens par ici. Ah, ça va être compliqué, hein. Allez, 360. Allez. Tu peux le faire, dépêche-toi! Mais imagine, je me fais attaquer là! Il est pas sérieux! Il est pas... 360, qu'est-ce que tu fais? Allez! Oh, tu m'as fait peur. Ok, c'est bon. Impeccable. Écoutez, on a récupéré un petit peu de perles de silice. Honnêtement, je vois pas comment je peux faire mieux avec tous ces satanés poissons qu'il y a dans l'eau là. Oh, puis alors là, il y a encore du croco. Je vais aller voir un peu plus loin. Ah, puis il n'y a pas de zone plus safe, hein, honnêtement. Ah, il y en a peut-être une là, facile à récupérer. On va tenter le tout pour le tout. Ah non, c'est un poisson. C'est des piranhas irradiés carrément là, toujours de plus en plus quoi. Bon. Bah écoutez, pour les perles de silice, on va faire comme ça, c'est déjà pas mal. Et là, est-ce que je peux y aller ici? Ah, il y a du petit piranha, on va le tenter quand même. Reste ici. Attention. Let's go. Ouais, jouable. C'est jouable. Quoi qu'on est loin de la surface. C'est peut-être pas jouable en fait. Ah si, c'est... Non, c'est pas jouable. On en a récupéré 84 quand même. C'est une bonne chose. On est midlife. On a froid. On va mourir. Il est où lui? Qu'est-ce que tu fais toi? Mais je t'avais... Ah, je t'avais dit... Ah oh, d'accord. Ok, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Ok. Mais regardez-moi cet endroit magnifique, sans déconner quoi.
On serait pas sur un thème Jurassic Park. Honnêtement, j'aurais fait des bases à d'autres endroits aussi. Il y a vraiment plein de choses à faire. Je me demande si je vais pas mettre le serveur Volcano pour la communauté. D'ailleurs, les amis, j'en profite pour vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, les amis, qu'il y a un Discord aussi disponible. Il est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu. Je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais hors caméra, j'ai fait un petit peu d'électricité. Et voilà, j'ai pu éclairer un petit peu la devanture. Comme ça, c'est bien. Quand il fait nuit, ça rend pas mal. Et puis, j'ai mis quelques petites lampes à l'intérieur aussi. Je trouvais que ça faisait bien. Et puis, ça devenait vraiment indispensable parce que j'étais en train de farmer dans le noir. Et franchement, ça devenait compliqué. Bon, eh bien, les amis, on n'a plus qu'à mettre notre petite perle de silice ici. On en est où au niveau de l'électronique? Voyons voir. Matériaux composites, électronique, du coup, on peut en refaire 68. Ça, c'est cool. Alors, on va récupérer ça, on va récupérer ça, on va laisser faire le reste. Ça commence à être pas mal, les amis. Alors, voyons voir dans le smithy. Hop là. Alors. On peut faire les fences et on peut faire les gates. Non, on peut pas faire les gates. Il nous manque du bois. Ah! Il nous manque 20 de bois. Normalement, du bois, j'en ai là-dedans. Sauf si... Oh, ben voilà, 35. Ok. Hop là. Voilà. Gate. Give me the gate. Ah, oh oui. Oh oui, celle-là. Oh, celle-là, les amis, elle va faire plaisir. Oh là 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 là, j'espère qu'elle est pas trop lourde. Oh là 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 là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt, hein. Je ne sais pas s'il y a de la lumière sur la porte ou quoi. Il faudrait que on se la mette à un endroit stratégique. Il faudrait que ça, le lac, là, qu'on se le privatise. Qu'on soit bien tranquille ici, avec les ressources et tout, au fond. Ça serait parfait. Et donc, il faudrait que l'entrée du parc... Bon, alors, c'est pas l'entrée du parc, parce que là, très clairement, ça va être un petit peu notre base ici. Donc, on peut se dire qu'on peut mettre une porte plutôt de ce côté-là, parce qu'il va falloir se protéger de ce côté-là. Et se protéger du côté là-bas aussi, hein, surtout ça en fait, hein. Protéger des deux côtés. Donc au final, il va y avoir trois portes. Ici, ça va être vraiment le petit coin un peu privé. Le Jurassic Park, il va continuer sur les alentours. Écoutez, on va se la mettre là. S'il faut la déplacer plus tard, on la déplacera. Mais si on la pose ici et que derrière, on ferme jusque là-bas, que de l'autre côté, on fasse le tour comme ça, qu'on ferme jusque là-bas aussi, et on aura toute cette zone-là pour nous. Sachant qu'avec les 4x4, on va partir par ici. L'entrée, elle est là-bas. Donc, on fera notre entrée ici, comme ça. Donc, la porte, je crois qu'on peut la mettre ici. Ça va super bien rendre. Vous êtes prêts? Are you ready pour le grand moment, les amis? Et puis, on cassera les pierres aux alentours aussi, hein. Bim! Oh! Wouah! Ah ouais, avec les petites flammes! Oh! C'est magnifique. J'espère que c'est marqué Jurassic Arc de l'autre côté aussi. Oh, donc du coup, faut se la mettre de l'autre côté. Ok. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut se la mettre comme ça, que l'entrée, elle est ici. Donc du coup, on arrive là. Oh là 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 là, c'est insane. Oh, mais regardez-moi ça. Je suis trop hypé. Je suis trop hypé. Let's go. Eh bien écoutez, on va aller chercher des clôtures maintenant et puis mettre la porte carrément. Et voilà les amis, on a les grosses clôtures. Alors, on n'en a pas beaucoup pour le moment. Donc, alors ça se clipse dedans. Qu'est-ce que ça se clipse en droit? Ouais, comme ça. Hop. Oh, ça rend trop bien. Oh, c'est électrifié comme ça là. On prend un coup de jus ou pas? Non, non, non. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On va s'en mettre une de l'autre côté. Oh là là, en plus ça se clipse dans la porte directement. Ça, c'est plutôt bien fait. Ok. Là, le courant ne passe pas, là. Le courant ne passe pas entre nous, René. Alors, attendez. Là, ah, si, ça passe. Si, si, ça passe. C'est bon. Oh, impeccable. Impeccable. Alors là, on va mettre de la clôture partout, les amis. Eh bien, écoutez, pour vous faire une bonne vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut et je vais aller farmer de mon côté. Et on se retrouve pour vous dans quelques minutes et pour moi dans quelques heures, afin d'avoir pas mal de clôtures à poser et vous montrer ce que ça va rendre. À tout de suite. Allez, je vais mettre un petit peu de viande là-dedans. On va inaugurer du coup ce petit grill qui fait plaisir. Et ça va vraiment être un plus.
J'ai mis la viande de mouton qui me restait de tout à l'heure dans l'argentavis ici. Donc ici, on va mettre la viande crue, ensuite on la cuit et ici, on la stocke. Oui, je sais les amis, je sais ce que vous attendez de voir. Où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai... Oui, alors, je vous spoil pas, hein. Mais j'ai bien travaillé, ok? J'ai très bien travaillé. Par contre, je peux pas aller plus loin. Je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de métal. Et j'ai pas encore la forge industrielle. Donc, je peux vous dire que là, il y a des petites heures de travail qui sont passées. Je vous montre ça tout de suite. Ok, les amis, let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai pas pu finir, les amis, vous doutez bien. Hein, parce que là, si je finis un épisode, l'épisode, il va durer une semaine. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment ça rend trop bien. C'est trop stylé. Alors là, j'ai réussi à les emboîter. Donc, ça se clipse hein, dedans. Et par contre, en dessous, il faudra que je mette des fondations en métal avec des petits murs en métal qui remontent comme ça pour vraiment bien boucher. De l'autre côté, du coup, j'ai longé un petit peu, comme on est un petit peu en hauteur là sur le terrain. Voilà, j'ai longé la petite falaise. Comme ça, on est bien. Il n'est pas impossible qu'ici, à terme, on y remette une porte. Oh, un Ostroraptor! On n'a pas le temps de le tamer sur cet épisode-là, mais... Un épisode... Ah bah non, bah, level 15. Non, désolé. Et ça, c'est un signe de revoir un Ostroraptor. C'est bon signe, c'est bon signe. Et ici, voilà, on va continuer comme ça. Donc, ouais, voilà, je pensais peut-être mettre une porte là-bas. On verra bien quand on fera les jeeps. On verra par où on va sortir, parce que les jeeps arrivent bientôt. Dans le prochain épisode, on pourra faire aussi le centre d'usinage InGen. Donc là, ça va nous proposer aussi d'autres matériaux, enfin, d'autres constructions, des choses comme ça. Sûrement des fusils aussi pour tamer. Et ensuite, on viendra fermer de l'autre côté, ici. Et là, voilà, on rajoutera une petite porte aussi. De ce côté-là, et puis voilà, bah écoutez, ça me paraît plutôt cool. Voilà les amis, on va les mettre. Du coup, la porte finale, je vous ai attendu pour la dernière pièce. Bon, dernière pièce, hein, façon de dire. Hein. Parce que là, c'est vraiment que le début. Là, on est que sur le centre des visiteurs. Hop, attention, ready. Est-ce que c'est la bonne? Attention, oui. Oui! Oh! Let's go! Ah, oh, c'est trop bien! Ah, oh, c'est trop la classe! Ah, oh, ouais! Il y a même la petite musique de Jurassic Park quand on ouvre la porte! Oh! Mais c'est incroyable! Oh là 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 là! Vivement le prochain épisode! Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao !